Aujourd'hui, l'enjeu qui pèse sur les négociations de Copenhague et leur issue, c'est un enjeu qui nous touche tous, qui n'est pas seulement le problème de savoir si nos dirigeants vont être sympas ou quoi que ce soit, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Donc ça, Copenhague doit déboucher sur un accord à la fois contraignant et aussi qui permette la transition énergétique des pays du Sud. Voilà. Pensez-vous, en 2008, nous avons émis 10 milliards de tonnes d'équivalent carbone dans l'atmosphère, soit un record. Il faut arrêter, il faut inverser cette tendance. C'est là l'enjeu de Copenhague.